Bon alors, on est ici, on se retrouve pour une petite vidéo, donc à Vassivière. Voilà, un lieu magnifique. Il y en a qui l'appellent le Canada français. Donc vous avez la nature. Donc après le confinement, donc pas grand monde en plus, l'hiver. Donc un lieu de paradis pour les pêcheurs. Du coup, pour aborder cette vidéo, ça va être une vidéo plus pour la pêche au bord. Donc on va voir un petit peu comment on se débrouille. Et qu'est-ce qu'on cherche l'hiver pour pêcher au bord le carnassier. Alors privilégier, ça dépend déjà quel type de carnassier vous pêchez. On va dire que nous aujourd'hui on va cibler donc les perches et les brochets en bordure. Si vous êtes sur des cendres, il va falloir un petit peu plus fouiner dans les profonds, dans des zones un peu plus profondes. Mais sinon pour les bordures, c'est bien de privilégier la perche et le brochet. Donc au niveau des postes donc de pêche, ici on voit bien un coin typique du bord. Donc là vous avez des souches qui tombent dans l'eau, ou des arbres, voilà, des branches. Et vous pêchez le long de ces souches pour justement privilégier les perches et les brochets qui peuvent se cacher dessous l'hiver et attendre le moindre petit poisson qui passe. Donc c'est sympa de pêcher avec ça. Le leurre que j'utilise aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que le Daiwa Divinator. Hein. Donc voilà, un leurre que beaucoup de pêcheurs connaissent. Qui est sympa. Vous voyez, voilà. Non, c'est un leurre qui est super sympa. Qui me permet de prendre pas mal de poissons. Et qui est polyvalent pour la perche et le brochet. Donc voilà, moi j'ai privilégié une taille moyenne pour pêcher du bord avec. Donc en gros, voilà, des zones comme ça, des zones aussi sous les pontons, donc on en verra. Et puis des zones où il y a du fond avec des rochers, ça peut être pas mal pour le carnassier. Recule derrière. Voilà. Fais bien attention parce que ces zones-là sont encombrées, donc pêchez pas trop près du fond parce que vous allez vite vous accrocher, donc le mieux c'est de pêcher, voilà, de faire remonter son leurre en surface et de le laisser couler tout doucement jusqu'à la hauteur du fond qu'on veut. Et le long de ses branches. Voilà, vous insistez pas longtemps, 2-3 coups dans des zones comme ça, et vous passez à une autre.
Voilà, sur des pontons, on peut pêcher. C'est pas mal aussi l'hiver, là-dessous. Il y a des beaux spécimens. On récapitule, hein. Privilégiez donc quand vous pêchez l'hiver le carnassier du bord, les zones encombrées avec des branches ou des troncs, les zones profondes pour le sambre un peu plus avec des rochers, ou alors sous les pontons, les bateaux, etc. Où il y a des endroits un petit peu comme ça, un peu sombres ou qui font un peu cachette. Là, c'est le sambre, ils aiment bien s'y mettre l'hiver. Donc ça peut être pas mal sous les pontons de ski nautique l'hiver. Bon bah il y en a pas, on peut peut-être y aller. Donc privilégier ces zones-là. Hein.